기다림 낭비하기는 싫어. 꿈만 봐, 꿈만 봐. 전화가 펑 터질 것만 같아. 몰라, 몰라. 숨도 못 쉰대. 나 때문에 힘들어. 심장이 떨어지네. 왜? 그 말은 안 너무 예쁘대. 자랑하는 건 아니고. 약간은 못 받아서 미안해. 친구를 만나느라 샤샤샤. 만나긴 좀 그렇고 미안해. 좀 이따 연락할게 later. 조르지 마. 할망하지 않아. 부르게 해줄게 baby. 아직은 좀 일러. 내 맘 듣긴 일러. 하지만 더 보여줄래. Shut up baby. Shut up baby. 좀 더 힘을 내. 여자가 쉽게 맘을 주면 안 돼. 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸. 태연하게 연기할래. 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 방문하게. Just get together and then baby talk. I need you. 안절부절 목소리가 여기까지 들려. 밤에 젖은 전화기가 여기서도 보여. 바로바로 대답하는 것도 매력 없어. 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본. 너무 심이 나고 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고. 안 그럼 내 각오 빠질 것만 갖춰. 빠질 것만 갖춰. 걱정을 못해줬어 미안해. 친구를 만나느라 샤샤샤. 만나긴 좀 그렇고 미안해. 좀 이따 연락할게 later. 조르지 마. 어디 가지 않아. 내어줄게 너의 baby. 너무 빨리 싫어. Garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc vous m'avez demandé de faire cette vidéo sur ma coiffeuse. Donc voilà, c'est pas évident parce qu'elle est mal placée et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc on va faire avec ce qu'on a. Donc cette vidéo m'a été demandée par plusieurs personnes, sauf que mémoire d'éléphant, non, j'ai une mémoire de chien, je sais pas, mais j'arrive pas à retenir ce qu'on me dit et je recherche sous les vidéos, je ne trouve pas où on m'a demandé cette vidéo. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé cette vidéo par rapport à ma coiffeuse, désolé. Donc vous me remettrez votre nom et puis voilà, la prochaine fois j'y penserai. Donc on va commencer par le miroir. Le miroir, je l'ai acheté chez Maison du Monde. Franchement les filles, elle vaut la peau du Donc voilà. Ça coûte bonbon. Au début, je l'ai vu, c'était écrit 119 euros. Mais la petite Antillaise, elle croit que 119 euros, c'est avec les ampoules. Mais quand moi je suis arrivée, c'était pas avec les ampoules, hein. C'était sans les ampoules. Donc du coup, c'était 119 euros. En sachant que les ampoules à l'unité peuvent coûter minimum 5 euros et quelques, on va dire 6 euros à 12 euros. Donc. On a cherché partout et j'ai réussi à trouver chez Ikea les ampoules à 5 euros et quelques, on va dire 6 euros. Et ça nous a fait 50 euros pour les 10 ampoules. Donc, voilà. Donc, c'est une coiffeuse qui m'a coûté bonbon. Donc, voilà pour le miroir. Ensuite, on va descendre ici. Pour ici, là, cette pièce, je l'ai achetée chez Ikea. Donc, elle est en deux parties. Donc voilà, enfin je ne vais pas la bouger mais elle bouge, elle est en deux parties et je l'ai payé je crois, mince, 45 euros, je crois, donc 45 euros que cette partie là. Ensuite, on va faire marche arrière,
Bibi, je suis occupée. Parce que j'entends Bibi qui fait du bruit. Ici, ça, c'est une planche tout seul aussi. Je vais essayer de trouver la vidéo. Parce que normalement, j'ai filmé tout ça pour vous. Mais il va falloir trouver tout ça. La planche, elle bouge. Juste la planche, là, ici, c'est 19 euros. Ensuite, les meubles, les fameux meubles, là, qui s'appellent... Les meubles d'Alex, là, de chez Ikea, ça doit coûter 79 euros, je crois. 69 ou 79. Et je les ai achetés en plusieurs fois. Donc, j'ai acheté les deux colonnes avant. Voilà, il y en a l'autre, là, ici. J'ai acheté les deux colonnes avant. Je les ai mis à part. J'ai pris tout mon temps pour confectionner cette coiffeuse. Parce que ça, au final, franchement, les filles, la coiffeuse est revenue. Coiffeuse, toutes les planches et les miroirs à 300 et quelques euros. Mais je les ai fait sur plusieurs mois. Donc, c'est pas tout dire faire des copies-coller des youtubeuses. Mais il faut les faire. Parce que moi, c'est un copie-coller que j'ai fait de sa nana. Donc, j'ai trouvé sa coiffeuse magnifique. C'est sûr, elle est magnifique, la coiffeuse. Hein? Mais elle coûte la peau de lui, oui. Donc, me revoilà. Donc, comme je vous expliquais, je sais, mon rouge à lèvres, il est moche. Mais moi, je l'adore. Donc, voilà. Donc, franchement, les filles, est-ce que vous me voyez? Je ne sais même pas si vous me voyez ici. Donc, franchement, la coiffeuse, elle a coûté cher. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, comme je vous expliquais tout à l'heure. J'ai acheté deux parties. Ensuite, après, j'ai acheté ça. Après, j'ai acheté ça. Et en dernier, j'ai acheté ça qui m'a coûté... J'étais surprise, mais ça m'a coûté cher. En sachant que chez Ikea, vous pouvez trouver une coiffeuse en entier pour 220 euros. Donc, 220 euros. Voilà. Et elle est jolie. Elle a déjà son miroir avec. Il y a juste les lumières qu'il n'a pas. Sauf que chez Ikea, je voulais mettre un miroir plus la colonne comme ça. Ben, ça revient aussi cher parce que la colonne seulement de lumière coûte 55 euros chez Ikea. Si je ne me trompe pas. Mais je pense que c'est ça qui m'a fait me faire marche arrière. Donc, n'empêche, je regrette pas ce miroir. Elle doit être positionnée en hauteur. Je l'ai mis en largeur. Donc voilà, là elle est éteinte. Là elle est allumée. Les lumières sont super, super fortes. Ça, j'ai même pas besoin d'allumer ma lumière de chambre classique. Donc voilà. Elle est composée de... tiroir ici, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc voilà, il y a un tiroir ici, deux tiroirs ici, et vous avez ici que vous pouvez mettre des choses. Donc voilà, voilà la composition de ma coiffeuse. Donc voilà, okay. Elle est composée de quoi? Premier tiroir, comme vous voyez, ce sont des pots en verre. Donc voilà, de yaourt à la pistache parce que j'adore ça, et au chocolat. Que j'ai mis mes colliers dedans. Donc là, c'est les plus gros colliers. Moi, c'est des économies partout. Que j'ai mis dans les boîtes de chocolat Ferrero Rocher. Donc voilà. Les colliers sont ici, là-dedans. Voilà. Les plus gros colliers, là aussi, voilà. Donc voilà pour le premier tiroir. Donc voilà. Ensuite, deuxième tiroir. c'est quoi? Voilà, des bricoles, les bracelets. Quelques colliers encore. Il y en a même que j'oublie. Ouais, là. Voilà. Ensuite, quelques bagues. Donc, c'est une boîte à bijoux que j'ai mis là-dedans. Des petits paniers. Mes bracelets de chez Action. Que j'adore. Mais j'adore ces bracelets. Ensuite, ici. Donc, ce sont les Kinder Bueno que j'ai cachés parce que mon chéri et les filles vont les manger. Parce que moi, j'adore les petits comme ça, c'est facile à manger. Donc, je les ai cachés, que j'avais fait avec le swap de Pontieres. Donc, voilà. Donc, j'ai caché. Il n'y a que ça que moi, j'ai pris. Le reste, je ne mange pas. C'est eux qui l'ont gardé. Et j'ai gardé ça pour moi. Ensuite, dernier tiroir, enfin, l'avant-dernier, ce sont mes montres. Il n'y en a pas 50 millions. Celui-là est cassé, mais comme j'aime bien, je l'ai gardé. Bon, il y en a qui n'ont pas de pile et puis il y en a que je ne préfère pas utiliser. Ça dépend de mon humeur. Donc voilà. Et là aussi, c'est les autres montres, soit qu'ils n'ont pas de pile, montres de chez Action que j'ai acheté, qu'on a acheté, mon chéri, qui ne fonctionnent pas, je ne sais pas l'utiliser. Donc voilà. Enfin, au fond, encore d'autres trucs. Donc, je montre à peu près. Donc, d'autres montres. Voilà,
Donc, des bracelets. Ça, c'est un bracelet qui est écrit en mœurs. Donc, voilà. Des petits bricoles, de rien du tout, si on veut dire. Ensuite, en bas. Est-ce que l'appareil, on va descendre un peu plus bas. Donc, voilà. Attendez que je ne casse pas mon appareil. Donc, ceci, on fait comme ceci. Donc, ce sont tous les échantillons, les produits. Enfin, quelques produits que qui sont neufs, qui sont petits. Donc, il y a des mascaras. Il y a plein de trucs. Il y a des produits. Tout ça, ce sont des produits neufs. Tout ça ici, ce sont des produits neufs. Ça aussi. Mini blender. J'ai utilisé un, l'autre il est là. Donc tout ça, des mascaras, des rouges à lèvres, tout ça ce sont des produits neufs. Et au fond, ce sont des rasoirs. Et le dernier tiroir en bas, j'ai mal au rein, c'est ma poubelle. Non, c'est pas une poubelle, mais c'est tous les bricoles que je laisse. C'est des choses qui ne sont pas bien rangées, que je mets ici. Trousses de voyage, voilà, les trousses de voyage. Ça c'est le couvercle de cette boîte à bijoux. Normalement ça va comme ça, mais bon, j'ai utilisé ça pour mettre comme ça parce que voilà. Ici ensuite, l'autre partie, c'est pas trop compliqué. Quai, ceinture et ceinture. Donc, on voit pas bien. Et ceinture. Donc là, ce sont des trucs pour faire des trous dans les ceintures. Donc voilà. Donc voilà, avec tout ce qui va avec. Voilà. Donc voilà pour ma coiffeuse. Est-ce que je vous montre en hauteur ici? Donc, pour ici. Pas évident à montrer. Donc là-dedans, c'est tous mes produits du jour. Que j'utilise tous les jours. Ensuite, ici, ce sont des rouges à lèvres. J'ai pas plus, hein. C'est ce que j'ai, c'est ceux-là. Rouge à lèvres, tous les produits, voilà, que j'ai. Ensuite, ici, pareil, tous les produits. Là, ici, Action, ce sont mes cotons. Ou autre chose. Ensuite ici c'est du, je sais pas, maquillage encore de chez Kiko. Ici ce produit là je l'ai acheté chez, comment il s'appelle, Ikea. Tous les pinceaux qui sont couchés et que j'utilise sous le moment sont dedans. Oh là là. Tous les pinceaux que j'utilise sous le moment sont couchés là dedans puisqu'on peut pas les mettre ni comme ça ni comme ça puisqu'il y a deux bouts et le panier il y a un couvercle. C'est pas fait pour ça, mais moi je l'utilise comme ceci. Voilà. Ça reste ici, au fond. Donc voilà. Ensuite, voilà l'autre. Et les pinceaux propres sont dedans. Ça, ce sont des pinceaux propres couchés. Et je referme la boîte à chaque fois. Donc voilà. Je continue. Ici, toujours un plateau de chez Action. Avec dedans blush. Ici. Crème, blush, ça, pinceau, crème du jour et quelques trucs pour les sourcils. Ici, tout ce qui est pour le sourcil, c'est-à-dire, attends, la lumière, voilà. Tout ce qui est pour le sourcil, tout, vous connaissez ces produits, donc voilà, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Ça, c'est Action. Voilà, ensuite ici. Les mascaras, crayons et au fond, fond de teint et quelques rouges à lèvres. Voilà. Ceci, c'est pour mettre les pinceaux sales. Quand je vais avec dans la salle de bain et les pinceaux propres, les pinceaux que j'utilise du moment sont là et les pinceaux sales, je les lâche là-dedans et après, je l'emmène là-bas. Donc voilà, pinceau ici. Et sur ma coiffeuse, il y a ceci. Donc, c'est les pauvres, en général, ils gardent des emballages. Donc, ce sont des emballages de produits que j'ai reçus. Donc, voilà. Donc, comme je fais partie des gens qui sont pauvres, enfin, pauvres,
Oula. Hop là, comme je fais partie des gens qui sont pauvres. Voilà. Donc, plus de batterie. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ceci. Donc, j'espère vous filmer le reste nickelement. Ok. Ok. Donc, vous me direz si la vidéo vous a plu. Ou si vous voulez plus. Donc, je ne vous ai pas montré le reste du maquillage. Il y avait ici aussi. Il y a le coin là-bas. Je ne vous ai pas tout montré. Le reste de mes affaires sont ici. Donc, je vous montre ça vite fait. Pour ceux qui n'ont pas encore vu dans les vidéos, le reste est ici. Et j'ai un nouveau bébé à la maison. C'est cette boîte-ci que je n'ai pas encore placée. Donc, je vais rechanger mon coin de maquillage. Voilà, voilà. J'ai pas 10 millions de produits. Merci. Bisous.